Salut à tous, ici Oz, qu'est-ce que t'as? Bienvenue pour, c'est marrant cet endroit, bienvenue pour cette vidéo du Boom Beach. Oula, mon écran joue à l'équilibriste. Donc, bienvenue pour cette vidéo du Boom Beach où on va se faire un petit docteur Cavan. Tiens, je peux l'améliorer, mon docteur Cavan. Mais c'est peut-être pas le moment parce qu'il faut que j'attaque un peu avant. Et j'ai plus beaucoup d'or, y a pas un bateau qui traîne là? Non, y a rien qui traîne. Bon, alors je vais pas l'améliorer tout de suite. Bref, on va se faire des attaques, un petit peu d'attaques guerrier avec Docteur Cavan. Mais, on va dire, oui, mais tu l'as déjà fait. Oui, mais non, puisque là je vais utiliser les boucliers. Et ça va me permettre d'ailleurs de vous expliquer un petit peu à quoi sert ce bouclier. Qui deviennent, c'est vrai, par la force des choses, quelque chose que j'utilise beaucoup. Voilà, je dis beaucoup de choses. Hein, un outil que j'utilise beaucoup. Puisqu'avant j'utilisais donc les bestioles de cristal. Bestioles de cristal, je vous le rappelle, c'est des bestioles soignantes. Hein, des bestioles médecins qui soignent au fur et à mesure nos troupes. Mais c'est vrai que le bouclier est quand même intéressant pour les guerriers, puisqu'il permet de les protéger un certain moment. Alors, ce certain moment, je pensais à l'origine, quand on nous avait... Alors, avant le sneak peek, hein, je pensais, oh, ah, bouclier, ils vont être imbattables, etc. Bon, c'est un bouclier qui casse... quand même assez rapidement. Regardez ici, on le voit, hein, donc il est niveau 3, attention, hein, niveau 3, je précise bien, donc point de vie des boucliers est à 300, et durée de vie des boucliers est à 9, donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, en gros, dès que le docteur Cavan, ou Cavan, on me dit que c'est docteur Cavan, mais moi je dis Cavan, donc dès que le docteur Cavan lâche sa capacité de bouclier sur les troupes qui sont dans son champ d'action, eh bien, elle récupère un bouclier de 300, c'est-à-dire elle récupère, en gros, on peut dire, 300 points de vie supplémentaires, donc, sachant que les points de vie qui sont faits au moment où le bouclier est détruit, enfin les dégâts qui sont faits au moment où le bouclier est détruit ne sont pas imputés eh bien à la vie, enfin sur la vie des troupes que vous avez protégées. Donc c'est-à-dire qu'en gros ces 300 points de vie supplémentaires, bah et finalement c'est pas énorme sur les points de vie d'un guerrier. Alors je vais vous prendre un exemple très simple, on va aller dans l'arsenal et on va prendre le guerrier. Donc chez moi ils sont maxés, ils ont 300 de santé, donc c'est à dire ils sont évidemment boostés en plus avec les statuts. Donc 300 de santé, 1189 de santé pardon, plus 368, on arrive grosso modo à 1200 plus 370 ou 1570, donc 300 de santé de plus, on peut se dire oui c'est beaucoup, ça fait quand même un cinquième de plus sur les 1500. Néanmoins, il faut faire gaffe, c'est que la manière dont on attaque avec les guerriers, vous savez, c'est du one shot, c'est-à-dire que on amène tous ces guerriers à un moment sur l'hôtel de ville, enfin sur le, pardon, sur le QG ennemi, ah, j'ai toujours confondu je crois, sur le QG ennemi, et puis dès que tout s'estompe, dès que les fumigènes s'estompent, bah, les guerriers attaquent. Donc là, les 300 points de vie sont détruits, mais en une fraction de seconde, parce que c'est pas des points de vie qui sont où il y a une tour de sniper par-ci, une mitraillette par, une mitrailleuse par-là, etc., quand on fait une avancée dans un village, ici, dans une base, ici, on a tous les dégâts en même temps, donc 300 de santé, finalement, j'espère que vous me comprenez bien quand je dis ça, ne représente pas tant que ça. Néanmoins, après réflexion et utilisation, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant à utiliser. Et on va dire que ça permet de, en gros, hein, alors les calculs sont un petit peu plus délicats que ça à faire, mais en gros ça permet de faire un coup de guerrier en plus. Voilà, donc un coup de guerrier en plus, ça peut quand même aider pas mal. Donc c'est-à-dire que le temps que les guerriers tirent, c'est-à-dire fassent un coup en plus, donc vous savez leur cadence qu'ils ont avec leur marteau, eh bien le bouclier sera détruit. Donc ça peut être... Hop là, là je vais me prendre un beau petit... C'est bon. Ils ont tous... ouais. Ok, cool. Voilà, ils sont tous à l'abri. Donc voilà, ça peut être bien, mais il faut quand même faire attention. Je crois que j'ai perdu mon Cavan, non? Hop là. J'ai pas perdu mon Cavan, mais j'ai eu chaud. J'espère pas le perdre, parce que j'ai envie de vous montrer justement le bouclier. Donc regardez bien, attention. Toc, je lance le bouclier, je lance ça là, ça là, ça là. Voilà, vous voyez, je relance un bouclier. Vous voyez, le bouclier, vous voyez, il y a des troupes en bas à gauche du QG qui n'ont déjà plus rien au-dessus d'elles. Donc, c'est-à-dire que les 300, vous avez vu à quelle vitesse ils partent, ces 300 points de vie. C'est quasiment rien. Il y a une autre aussi difficulté, je dirais, dans ce, comment dire, dans cette utilisation du docteur Cavan avec ce bouclier là, c'est que le docteur Cavan, bah, on l'a vu ici, a tout le temps du retard, c'est à dire que c'est pas une troupe qui est collée aux guerriers comme les guerriers sont collés entre eux, donc c'est une troupe qui a, je sais pas combien de cases ou de mètres on peut dire, mais en gros qui a un espace conséquent de retard par rapport aux troupes qu'elle accompagne. Donc, le problème c'est que quand t'as un fumigène, là encore dans mon type d'attaque, c'est à dire une attaque one shot avec fumigène et fusée éclairante, dans ce type d'attaque là, le problème c'est que
dès que on va dire l'avant-dernier fumigène se dissipe, bah, Docteur Cavan est un peu à poil. Et donc il se retrouve à poil, il se fait tirer dessus, et donc on n'a pas le temps de lancer les boucliers. Donc c'est pour ça qu'il faut en fait analyser la situation. Ça dépend de plein de trucs. Il peut y avoir un bâtiment devant qui gêne, etc. Ou une fumigène qui a été mal lancée, ou un millimètre de plus ou de moins, etc. Il y a plein de, quand même, de facteurs qui font ça. Donc il faut analyser vraiment en temps réel et se dire, bon bah là le Docteur Cavan, de toute façon, il va être exposé à la vue de tout le monde. Donc autant lâcher le bouclier tout de suite. Donc ça fait que le bouclier, il va quand même déjà protéger vos troupes, mais il aura effectivement moins d'effets et moins de durée de vie. Allez! Donc on va tenter ici une attaque. Alors là il y a beaucoup de mines, donc on va faire un petit peu le ménage avant. Putain, il a bien placé ses mines en plus, je peux pas toutes les avoir avec... Bon, on va lancer ça là. Ça fait... Ouais. C'est pas... Ouais, ça fait un tir en plus, qui coûte assez cher, mais au moins il n'y a plus de mines. Et puis au moins on a gagné un petit peu de points de... Un petit peu de points de canonnière en détruisant... Hop là, en détruisant ça, j'étais obligé de... Regardez le Docteur Cavan. Il est en retard, il se fait tirer dessus. Ça y est, allez, il se met à l'abri. Hop, alors on va s'abriter là-dessous. Et regardez ça, regardez le Cavan. Il est en retard, toujours. Voilà, là il s'y met enfin, heureusement. Bon là, j'ai mal envoyé ma dernière fumée, c'est pas grave. Et regardez bien. Il faut que je lance tout de suite avant. Alors, j'ai déjà lancé ça. Hop, c'est bon, ça s'est lancé. Voilà. Vous voyez, le bouclier est déjà parti. Hein. Donc, l'effet est quand même moindre. Hein. Ça aide, mais ça aide pas beaucoup. Vous avez vu le nombre de guerriers que j'ai perdu déjà, j'en suis à deux attaques. Alors certes en face, c'est des villages qui sont maxés, et encore que, ils n'ont pas forcément de prototype de défense, mais quand même, quoi. Je veux dire, j'ai perdu 25 guerriers ici, pourtant, bon, c'est une attaque que je fais d'habitude. Alors, il y a aussi un autre point intéressant, je vais me faire une troisième attaque quand même, histoire d'essayer. Alors, par contre, il va falloir que je me concentre. Je vais peut-être pas forcément parler en même temps que je fais mon attaque. Parce que j'ai plus beaucoup de guerriers, hein. J'ai la moitié de mes guerriers. Ouais, ça fait un peu loin. Attends, je vais essayer, voir en combien de temps on arrive à détruire tout ce qu'il y a en haut là. Parce qu'il a ces deux. Il y en a deux ici. Deux sur les côtés plutôt. Alors, 1, 2, 3. Ça devrait déjà bien les amocher. Et donc un quatrième suffira. Hop. Donc on a pris pas mal de points d'artillerie. On en récupère 9. Mais au moins, les guerriers ne seront plus figés. L'avantage aussi, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir lancer un électrobombe sur... En fait, comme tout est parallèle, c'est facile. Comme tout est symétrique, c'est facile. Je vais pouvoir envoyer un électrobombe ici, entre les 3, et un électrobombe ici, entre les 3, donc ça fera 2 électrobombes et je ne subirai plus que le feu de quelques super canons et puis derrière des lance-roquettes. Alors, bon, concentration, donc on va aller ici, tac 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 tac, voilà. Alors là en théorie il n'y a personne qui va me tirer dessus, donc vous voyez là j'économise une fumigène, pas obligé d'envoyer des fumigènes pour protéger dès la sortie. Ensuite on va s'approcher ici, on va en lancer 2. Là, faut pas que je, surtout pas que je perde de troupes. Bah là, je vais en perdre une. Boum, avec la super mine. Faut pas que je perde de troupes, puisque sinon... déjà que j'ai pas beaucoup de troupes, alors si j'en perds en plus, vous voyez la cata que ça peut faire. Et donc, on arrive ici, enfin. Voilà. Toc et toc. Voilà. Je peux pas me permettre de me dire, ouais, je vais économiser mon fumigène, je vais bien les placer, etc. Là, je peux pas me permettre. Donc, vous voyez, là, ici, Docteur Cavan, il est pas dans l'eau de fumigène. Donc, si je le laisse, il va se faire fumer. Donc, je vais lancer, hop, tout de suite avant. Voilà, le bouclier. Hop, voilà. Voilà où je voulais en venir. Qu'est-ce qu'il fout? Il est revenu. Ah oui, d'accord. Ah, c'est génial. En fait, ça a été. Les guerriers ont été pris par des gras porteurs. Oh là là, je vais me faire fumer. Je vais pas le gagner. Ah non. Ouais, j'avais vraiment trop peu de guerriers ici. Ah, quel dommage. Quel dommage. J'ai réussi à perdre une attaque. Alors, ça, c'est fou. Ça, c'est très rare que je perde une attaque en. Qui plus est dans une vidéo.
Bon, peu importe, c'est aussi ce qui arrive. Bref, oui, j'avais 28 guerriers, ça faisait quand même très peu. 28 guerriers sur 64, vous imaginez, c'est même pas la moitié en fait. Je pensais que j'avais la moitié, mais même pas. Bon, voilà, donc ce qui se passe aussi, vous l'avez vu, le docteur Kavan était à l'extérieur du fumigène. Hein, donc là, j'ai essayé exactement le même problème que j'étais en train de vous évoquer tout à l'heure. Le docteur Kavan étant une unité de soins, du coup, il va suivre en fait les unités qui sont blessées. Donc vous pouvez pas contrôler quelle unité se blesse et quelle unité va être blessée et où elle va se placer. Donc c'est ce qui fait la difficulté du docteur Kavan. Et donc, bah, ce qui fait aussi la difficulté du moment pile poil où il faut lancer le bouclier sur ses guerriers. Voilà, et puis j'allais vous dire une dernière chose, mais j'ai oublié. J'allais vous dire un autre truc sur le docteur Kavan. J'ai oublié ce que je voulais vous dire. Bon, ça devait pas être intéressant si j'ai oublié. Bref, donc voilà. Alors, évidemment, je me répète, je l'ai loin d'être au meilleur niveau. Hein, ce bouclier de glace, il est encore au tout petit niveau. Vous voyez, il gagne après 80 points de vie. Ah, ça y est, je viens d'y repenser. La durée des boucliers. La durée des boucliers, il faut aussi y penser. La durée, c'est en fait le nombre de temps que va durer un bouclier si on ne vous tire pas dessus. Donc on peut penser, on peut se dire, mais attends, je comprends, il y a des points de vie, il y a une durée. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah en fait, points de vie et durée, pour ceux qui jouent à Clash Royale, c'est un petit peu la même chose sur les pompes. Sur des extracteurs d'élixir, enfin oui, les pompes en fait, ce qui se passe, ils ont des points de vie et aussi une durée. Donc une point de vie durée, ça fait un peu bizarre. Et bien en fait, tout simplement, les points de vie, c'est si on vous tire dessus, bah, le bouclier il a 300 points de vie, donc dès qu'il y a 301 points de dégâts qui ont été faits, bah, le bouclier se casse. Par contre, la durée, c'est si personne tire sur vos guerriers, eh bien, le bouclier ne sera pas indéfini. Donc, parce que ça évite quoi? Ça évite tout simplement que vous puissiez le lancer dès le début. Par exemple, vous débarquez avec vos troupes, vous lancez tout de suite un bouclier le temps que vos troupes arrivent sur les bâtiments ennemis. Bah non, ça marche pas. C'est limité. Il n'y en a que pour 9 secondes. Donc, c'est si jamais, je me répète, votre bouclier n'est pas détruit au bout de 9 secondes, bah, là, évidemment, il sera détruit. Donc en gros, vous avez 9 secondes, 300 points de vie de bouclier, et dès qu'il n'y a plus de points de vie, c'est terminé, ou dès qu'on a dépassé les 9 secondes, c'est terminé. Voilà, donc vous avez, bon, c'est un petit peu mythique mes raisins, mes attaques ici, il faut dire que c'est des grosses bases en face, mais voilà, c'est intéressant d'utiliser les boucliers. C'est vrai que avant, j'utilisais qu'avant avec comment on appelle ça, les petites bestioles de soins, mais j'utilisais quasiment jamais ces bestioles de soins. C'est vrai que maintenant, le bouclier, je l'utilise. Dernier point aussi, faites très attention. Ah, c'est intéressant ça. Faites très attention, puisque les capacités coûtent. Vous avez vu, hein, il y en a pour un certain nombre d'élixirs, sauf que plus vous utilisez la capacité, plus ça va vous coûter. Donc faut faire très attention à ça. Donc en gros, quand j'utilise le bouclier avec avance sur mes troupes, eh bien c'est un tir en moins, c'est un électrobombe en moins, c'est une fumigène en moins. Bref, c'est un support de canonnière en moins, ce qui peut faire la différence. Et dernière de chez dernière chose, sur le timing aussi, ce qui est pas forcément évident, ça rajoute en fait des difficultés hein, d'utiliser ce qu'avant, c'est que il faut faire très attention à la fin, parce que en fait quand on lance, quand les fumigènes se dissipent, quelques microsecondes avant, on lance les électrobombes sur ce qu'il y a autour. Voilà, et là c'est terminé, à la rigueur un medikit. Donc là, faut d'abord penser, prendre le temps à lancer le bouclier, et ensuite les électrobombes, ou vice-versa, mais quand bien même, il faut penser à faire les deux. Donc ça rajoute quand même bah, quelques microsecondes, le temps de faire le passage entre cliquer sur Kavan, cliquer sur la capacité, revenir sur la canonnière, etc. Donc faites attention à cette petite difficulté, je pense que c'est aussi pour ça, il faut aussi que je m'entraîne, hein. j'ai pas le don inné, il faut s'entraîner à bien faire ça en temps vraiment dans le temps voulu. Puis alors, avec ça, t'ajoutes les dégâts qu'on a déjà pris, les guerriers, le nombre de guerriers qui sont déjà morts, etc. On peut se retrouver avec des attaques difficiles, mais c'est ça qui est quand même intéressant. Sinon, ça serait trop simple. Voilà, mes petits loulous, c'est ce que je pouvais vous dire sur le bouclier et les guerriers. Je referai des vidéos boucliers et autres troupes, mais boucliers et guerriers. Voilà en tout cas ce que j'en pense, en tout cas plutôt positif. Un grand merci pour votre fidélité toujours à la chaîne. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus et à me dire ce que vous souhaitez, notamment comme vidéo. Boom bitch, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Salut à tous.